Ça va. Ah, fait que là, on est à l'intérieur de la boulangerie. Wow, boulangerie, pâtisserie. C'est des gâteaux, ils appellent des cakes. Oh, wow. Ah, puis là, il y a une boulangère en arrière. Allô, c'est Cécile. Allô, c'est Cécile. Bonjour. Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est au chocolat et ça aussi. Et là, j'aurai un petit au chocolat en gros. Ok. Bonjour. Ah, je comprends. Bonjour. Monsieur Mauvais, qu'est-ce que vous voulez? Oui? Pas mal court, hein? Bon, ben là, on est à l'intérieur de la boulangerie. C'est le propriétaire, Thibault Lambert. Nous, on ne sait pas la différence, on le trouve vraiment bon. Ouais. Wow. Ce que Jérôme m'expliquait, c'est qu'il fait lever le pain sur le tissu et le pain dessus, ça, c'est du lin. Ah, ben, c'est pas sa première fournée. Wow. Il commence juste. Ah, il est moins. Wow. Ça sent bon. Et un autre fourné. Wow! Non? Oh! Ta barouette! Va te mouiller les mains, ça. Là, Thibault, on a des amis en commun, hein? Jérôme et Cécile. Ils m'ont dit que tu étais vraiment gentil, là. Moi, ben oui, c'est une joke, c'est une joke. Jérôme. C'est là qu'ils vont fabriquer les pâtes. Et après, ils vont les avoir transformées avec un bonjour. Allô, allô. Ils vont être disposés dans les okay. Qu'on a montré tout à l'heure. Et c'est dans ces chambres de fermentation qui vont se faire stocker pour être bloqués en froid. Puis après, au moment où le boulanger a décidé de le mettre en température chaude pour que la fermentation se fasse et puis que le pain gonfle un peu. C'est ça. Déjà, ils sont installés, ça c'est pour demain. Ça. Ah, ok. C'est ce qui se prépare là pour demain. Donc là, c'est le gros pétrin justement pour pétrir les pâtes. Puis après ça, il est tout fait à la main comme le jeune homme. Ah, oh, ouais. Tu travailles bien. Oui. T'es bon. C'est pas ton premier pain? Ah, c'est pas ton premier. C'est du moisson, ça. C'est de la moisson? Ah, du moisson. Du moisson. C'est comme des petits grains, ça, Jérôme? La moisson, on m'appelle moisson grain. Moisson, ouais. Des grains dedans, de millet et tournesol. Tournesol et millet. Ah, ouais. Et après, c'est mis dans les petites barquettes. Ça fait-tu longtemps que tu travailles dans le pain, dans une boulangerie? 5 ans que je travaille ici. 5 ans? Ouais. T'as de l'air tout jeune. Ah, j'ai 20 ans. Ah, ben t'es jeune. T'es jeune. Ton prénom, c'est? Lilio. Lilio? Lilio. Oh, les chars. C'est là qu'ils vont fabriquer les pâtes à croissant. Secteur Villinoiserie. Ah, il y a une belle vue, lui. Il y a une belle fenêtre. Ouais, c'est sympa, la vue. Hein? Ouais, t'es bien, mais une grande... Donc voilà, donc ça c'est fait pour tout ce qui est croissant, les pâtes à travailler. Hey, hein. Wow. Ah, c'est d'accord. Ça sent bon. Ça sent bon. Spécial des tours le matin. On s'est dit, il était 6 heures ce matin. Puis, les gens viennent ramasser leurs croissants, leurs pains, puis on n'a plus peur de voir ça. On est resté à l'entrée. Les gens qui travaillent, ils viennent chercher leurs pains, leurs pâtisseries, les gens qui ont ramassé des cakes, des brioches, tout ça, des choses. Puis, on se rend compte que c'est ça, je disais, c'était pas génial. Partout où on va, partout, il y a toujours question du pain. Tout le monde parle du pain.
quelqu'un qui arrête à plus manger. Manjo va appeler, quelqu'un va appeler. On a du pain, on a des baguettes. Le pain fait partie intégrale de la vie. C'est une petite boulangerie, un petit village, puis que ça fait. J'ai dit tantôt, c'est mon grand-père, 300 pains, juste les baguettes par jour. Le dimanche, c'est de 500 à 750 baguettes. En plus, on ne parle pas des autres genres de pain, puis des autres pâtisseries qui peuvent faire. Puis, une autre chose qui m'a marqué à date, c'est souvent les gens vont dire je suis salée ou sucrée, mais c'est donc déjeuner. Mais plus sucré ou salé déjeuner, parce que je pense que moi, on est plus salé, des œufs, des légumes. T'es sucré, mais tu manges un croissant avec du chocolat, tu sais, une confiture faite maison, partout en bas. En tout cas, c'est une expérience. Et que là, on va continuer, on va dans d'autres endroits aujourd'hui. On s'en va chez la famille à Jérôme. Ben, c'est pour ça qu'on est tôt comme ça. On s'en va à... J'ai de la misère. Bonne, mais je pense pas que c'est le bon terme. En tout cas, on vous en parle dans les prochaines capsules. Fait que, partage, on aime et on commente. Je vous souhaite une excellente journée. Bye!